Maman, je peux inviter ma copine Sophie à venir dormir ici demain à la maison? Bon, mais pourquoi faire? Elle n'a pas de maison? Bah si, mais c'est ma copine. Je veux qu'elle dorme ici. Elle est trop gentille. Bon, mais ok, si tu veux. Merci, maman. Par contre, sois gentille avec elle. La pauvre, elle est atteinte de la maladie de la drépanocytose. Drépa quoi? Drépanocytose. Bon, mais c'est quoi ça? C'est une maladie génétique héréditaire du globule rouge. Elle se transmet génétiquement par le père et la mère. Les parents sont porteurs d'un gène malade. Ah, d'accord, ok. Tu veux boire quelque chose? Ah, ou... oui, je veux bien, oui. Attends, ouvre la bouche, je vais te mettre dans le... Non, mais ça va, je sais boire toute seule. Non, mais tu forces, maman, là. Non, mais... Je suis autonome, hein. Merci. T'es une forceuse, maman. Non, mais elle est malade, il faut faire doucement aussi. Hein. Et où sont vos toilettes, s'il vous plaît? C'est là-bas. Attends, je vais t'emmener, je vais te porter. Non, mais je sais marcher, hein. Merci. Non, mais parce que comme tu as là drépanocytose. Voilà. Non, mais ça va, merci. J'y vais, je reviens. Et la pauvre. Plus tard, ça veut dire que ses enfants aussi, oui. Ils auront son truc là. Je crois. Regarde-moi cette fille là, toute gentille, toute belle, toute polie. Elle a rien demandé et puis elle est malade. Ah! Et puis il y a les gens comme toi là, vilaine comme tu es là, qui font que des bêtises. Non, mais c'est quoi le rapport là, maman? Il n'y a aucun rapport. Il y a un rapport. Il y a plusieurs rapports même. Bon, il faut que j'aille me faire tester, hein. Peut-être qu'on a la maladie, nous aussi. Hein. Jolie toilette. Hein. Merci, merci, ouais. Si vous voulez, je peux vous inviter à un événement qu'ils ont mis en place, là. Bon, mais c'est quand? Le 18 novembre. C'est gratuit? Maman! Quoi? Oui, c'est gratuit. Il y aura à manger? Je pense que oui, enfin, je sais pas, je... On sera là, on va venir, ouais. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir que vous soyez autant intéressé par cette maladie et tout. Et que vous vouliez en savoir plus. Ouais, quoi. Ouais, on vient pour ça, bien sûr, ouais, pour en savoir plus, hein, c'est... Il y aura des crêpes au Nutella ou... Oh. J'attends l'enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, il y en a plus que dans mes spaghettis. Papa, maman, j'ai un petit ami. Pardon? J'ai un petit ami. Oh! Il peut dormir ici ce soir? Non! D'accord, je vais me foutre en l'air. Attends, attends, on rigole pas avec ça, c'est pas marrant. Bon, mais ramène-le, il va dormir ici, c'est bon. Quoi? Ils vont dormir dans le même lit tous les deux? Ça allait bien arriver un jour, hein. Je vais dormir avec eux, hein. Wow. Tanguy, je te présente mon père. Hey. Vous allez bien? Aïe. Y a pas à serrer la main fort des gens comme ça, wesh. Ça fait mal, monsieur. Non, mais lâchez-vous, non? Bonjour, madame. Vous êtes la sœur de Binta, non? Je l'aime ce petit, hein. Et puis il est joli ton pull, hein. Ouais, c'est Romain Franklin, un ami TikToker. Ah, moi aussi c'est lui. Bon, mais il abuse ton daron là, il repasse son truc ici. Un forceur. Mais franchement, il va dormir là ou quoi là, oh. Non, mais allô. Non, mais franchement quoi. Oh. Non, papa, tu forces là, franchement quoi. Bon, monsieur, j'aimerais bien faire des bails avec votre fille là. Oh, ok. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est. Les boulettes poules, il y en a plus que dans mes spaghettis. Bon, si quelqu'un touche à mes chips ici à la maison, là, on va voir, on va se battre et finir le commissariat, d'accord? C'est qui ça? Ouvre la porte là. Wesh. Avec ces grosses chaussures sales là. Oh. Oh, ça va, je vous avais pas vu. Ça va pas. Tu as pas de maison, hein? Tous les jours, tu viens ici tout le temps, là. Ah. Mais arrête, maman, il est juste... Toi, là, viens dans mon bureau, là, dépêche-toi. Toi, là, la prochaine fois que tu ramènes ton SDF ici, là, tu vas voir, tu vas m'entendre. Mais c'est pas un SDF, maman, c'est mon pote. Chut. Ton pote vilain comme ça, là, avec ses dreadlocks, là, on dirait qu'il se lave jamais. Non, t'es méchante avec lui, il t'a rien fait. Mais c'est un bandit, c'est normal. Je suis sûr qu'il vend de la drogue. Mais pas du tout, il travaille au McDo. Mais fesse, ouais. Je te jure, c'est vrai. Je l'aime pas. Mais je sais. Oh, madame Touré, faites-moi manger, ouais, j'ai la dalle. J'espère que j'ai mal entendu. Hein. Ah, c'est mes chips. D'ailleurs, vos chips, elles viennent d'où? Elles sont super bonnes. Hein. Mais maman, il est... Tu l'as tué. Ça m'a fait une belle jambe. Et récupère mes chips. Et puis ça montre là, elle est jolie. Hein. Mmh. Tu veux quoi, toi? Ton sport, il est éclaté, frère. La vie de ma mère, il est trop nul, ton sport. Pardon? Parce que pour toi, courir après un ballon, c'est un truc de ouf. Laisse-moi rire, s'il te plaît. Au moins, nous, on est bien payés. Bah ouais, on est d'accord. Un peu trop, d'ailleurs. Hein.
Bande de simulateurs, là. Pardon ? Et vas-y, parle-moi bien, toi. On simule jamais. Enfin, rarement. Et pas souvent. Ouais, bien sûr. Si tu veux. De toute façon, pour moi, le foot, c'est surcoté. Y a pas de débat possible entre nous. C'est bon ? Salut, les gars, ça va ? Et vas-y, ferme ta gorge, toi. Eh, hey, tu vois pas qu'on parle sport, là ? Donc, laisse les grandes personnes parler, s'il te plaît. Bah, quoi ? La pétanque, c'est du sport, hein ? C'est... Eh, hey, vas-y, va là-bas, s'il te plaît. Ton sport pour les personnes âgées, là. Eh, hey, y'a que les centenaires qui jouent à la pétanque. Les papis. En plus, ils sont bourrés. Vous jouez bourrés. C'est quoi ce sport de bourré, là ? Tu tires ou tu pointes ? Eh, hey, dégage. Ferme la porte, s'il te plaît. Vas-y, ferme la porte, ouais. Clochard, va. Ton sport, il est nul aussi. Crois pas que... Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, y'en a plus que dans mes spaghettis. Papa, madre mia. C'est dans la poche. Salut. Wesh, ça dit quoi? Bah, tu veux faire quoi? Tu veux faire un truc? Je pense que je vais rentrer. Ouais, vas-y, on va rentrer là, y'a un truc, ça a l'air pas mal en plus. Vas-y, viens. Ouais, c'est pas mal. Elle est belle, hein? Non, mais le mec est vraiment venu en jogging. Ah, mais il me dégoûte. Bonjour, voici la carte. Merci. Ouais, si, mère. Mais tu veux quoi? Je vais prendre... Non, mais je veux dire avec moi. Enfin, tu cherches quoi? Enfin, on se connaît pas encore, du coup, je me demandais, quoi. Oula, t'es pressé, toi? Ah, tu connais, on n'a pas le temps ici, c'est la street, hein. Waouh. Ok. Vous avez choisi? Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Moi aussi, Marus. 11,40€, s'il vous plaît. 11,40€? Non, mais elle abuse, Marus. Baisse le prix un peu, non? Non, c'est bon. Je vais payer, merci. Non, mais 6 balles le café, wesh, elle abuse. Merci à vous. On a demandé un café, pas un iPhone, non? C'est une ouf, elle est entre nous. Bon, Martin, ça va pas du tout de le faire. De quoi? Bah, tout en fait. Tu t'habilles comme une racaille, on dirait que tu t'es habillé dans le noir, t'as fait aucun effort. En plus de ça, t'es un radin. Et puis, fin, t'as pas une tête à t'appeler Martin. Mais c'est normal, je m'appelle Souleymane. Hein? Ah, mais oui, il est là. Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, hein. Ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, y'en a plus que dans mes spaghettis. J'ai pas fait exprès, papa. Je vais dire ça à ta mère. Papa! Papa, je t'ai dit, j'ai pas fait exprès, c'est bon là. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a, Modou? Ton fils là, c'est un bandit. Il m'a tapé. Quoi? Il m'a tapé à Carrefour là, devant tout le monde. Là, il a. Attends, j'appelle le bled. Appelle. Tu vas aller au bled aujourd'hui, tu vas voir. Allô? Ouais, ça va? Ça va pas. Mon fils là, c'est devenu un bandit. C'est une racaille. Oh, je te rendais ton argent, c'est bon. Ah. Oui, il a tapé son père à Carrefour devant tout le monde, hein. Il tape les gens maintenant. Il tape les parents. Oui. Je vais te l'envoyer là, 2-3 ans au Sénégal. Ouais. Quoi? Tu vas aller. Mais non. Billahi, tu vas aller. Et non, je vais pas aller au Sénégal. Ouais, les gars, je suis en direct du Sénégal, donc ça sert à rien de m'écrire. Attends, mais pourquoi t'es là, toi, cousin? J'ai touché mon père avec le caddie à Carrefour sans faire exprès. Ah ouais, c'est chaud. Et toi? J'ai esquivé une claque de ma mère. Quoi? Non, mais t'es fou! Du coup, tu connais, hein, elle a dit à tout le monde que je l'avais frappé, hein. Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes poules, y'en a plus que dans mes spaghettis. Vrai sport de bonhomme, nous. T'as dit quoi, là? J'ai dit, nous, on est un vrai sport de bonhomme, nous. Mais MDR, en fait, personne ne comprend jamais les règles du rugby, hein. Attends, c'est toi qui dis ça? Nos règles à nous, elles sont super simples, hein. C'est pas de ma faute si t'es débile, hein. Ah ouais? Bah vas-y, explique-nous en quelques mots, vas-y, on t'écoute. Bah ok, c'est simple. Dès que t'as le ballon, tu le lances derrière toi. Et du coup, les gens qui sont derrière... En fait, tu peux lancer le cul derrière toi, mais les gens, ils doivent... Ah, mais tu m'as embrouillé aussi, là. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, mais t'es au courant qu'il n'y a que les joueurs d'échecs qui connaissent les règles des échecs? Non, mais pas du tout, hein. Et puis tout, t'es un sport, toi, hein. T'es là, t'es assis, frère. Bande de feignants. Ah oui, non, mais c'est vrai que bouger des pions, c'est dur. Des fois, les pions, ils sont lourds, hein, c'est... Tu connais les JO? Les Jeux Olympiques? Eh ben non, tu connais pas. Écoute-moi bien, c'est pas parce que... Excusez-moi, est-ce que vous pensez que...
là 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 là. Qu'y a-t-il ? Va voir là-bas si on y est, s'il te plaît, on est en train de discuter là. Très bien. Je vais m'entraîner moi, j'ai les JO qui m'attendent. Salut les nazes. Et il parlait de toi, moi aussi j'ai les JO. Enfin, on est équipe réduite quoi. Enfin, on est 7. Enfin, il y a une église à côté si tu veux. Bah pourquoi ? Bah pour prier. Peut-être qu'un jour les échecs ça sera au JO. Yeah. Pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. J'ai dit non, tu vas pas dormir chez ta copine ce soir. J'en ai marre de cette famille. Yaram. Ah. Bah alors Aminata, on est fâchés? Ta gueule toi. Continue à m'insulter et j'écris ton prénom dans le Death Note. C'est quoi? Si j'écris ton prénom ici là, tu vas mourir dans les 5 secondes. Ah tu rigoles? Tu fais quoi là? Dis Siri, Elisabeth est-elle décédée? La reine. Oui, la reine est bel et bien décédée. Merci. Tu veux pas écrire mon prénom dessus? Je sais pas. Insulte-moi encore, tu verras. D'accord, pardon, Binta. Binta comment? Binta, maître vénéré. Ouais, je préfère, c'est bien mon chien. Maman, donne-moi 500 euros tout de suite ou j'écris ton prénom dans le Death Note. Death quoi? Death Note. C'est quoi? Si elle écrit ton prénom dessus, tu vas mourir, maman. Tu veux 500 euros? 600 euros maintenant parce que t'as rigolé. Bon, mais tu veux pas que je te masse les pieds aussi, non? Non, mais très bien. Moi, je parle même plus maintenant. Et tu fais quoi? Ça va pas marcher, Aminata. Pourquoi? Bah, parce que t'as sûrement dû écrire maman. Et donc? Son prénom, c'est pas maman. Hein? Mais comment ça, ça... T'as un prénom, maman? Écris même maman en majuscule. Attends, mais d'où t'as un prénom, maman? Bon, mais y'en a qui essaient de dormir ici, hein. Vous pouvez pas fermer vos gorges, là? Ah, taisez-vous! Modou. Écris Modou. Non, mais PTDR, Modou. En fait. Comment ça s'écrit? C'est qui? Tu veux que j'écris mon prénom? Donne. C'est quoi ce livre-là? Modou. M-O-D-O-U. Voilà. C'est très simple. Et puis la prochaine fois que... Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Bref, si tu veux, mais oublie pas que t'as été adopté, Poufias. Non, moi j'ai été voulu. Alors là, je voulais pas, mais je m'en fiche si j'écris ton prénom dans le Death Note. J'ai toujours une longueur d'avance dans cette famille. Ça va m'acheter? Tiens, c'est pour toi. Mocheté! J'espère que c'est un beau cadeau, sinon tu vas voir ce que je vais te faire. Les cheveux d'Aminata sont cacao comme sa peau? Non, je rigole. Tu veux qu'on aille manger une glace ou... C'est fou le pouvoir que j'ai avec le Death Note. Mais c'est quoi? Je connais même pas, je sais même pas ce que c'est. Ah! Je pensais que tu connaissais. Bon, je vais aller voir des potes, moi, salut. Mais pourquoi tu pleures, maman, à ton grand âge? Regarde! Urgent, ne pas oublier de l'appeler et de venir à l'heure. C'est aujourd'hui. Mais je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Je me rappelle plus. Alors là, Virginie, tu te débrouilles, hein. C'est qui, Virginie? Je m'appelle Awa. T'as pas la ref? C'est pas le moment. Imbécile. Imbécile? Ok. Personne touche à ma femme. Ouais, je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Les amis, n'hésitez pas à prendre vos places. Y'a qu'une seule date à Paris. Une seule. Dépêchez-vous. Souleyman, amène-moi chez Tata Mouskebana. Dépêche-toi. D'accord. Après, on va aller chez Tata Fatou, hein. Ouais. Ah oui, et pour finir, il faut aller à la boucherie là-bas, là, chez Mohamed. Putain, c'est ça ton problème. Tu veux aller partout sauf à l'auto-école, toi. Tu as dit quoi? Alors là... Non mais allô, il va se faire défoncer, wesh. Moi je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils comme toi là? Hein? Charlatan! Homo sapiens! Homosexuel! Wesh! De toi-même, wesh! Avec ton gros pantalon là! Moi si j'avais le permis, je t'emmènerais sur la lune, hein? Bah non mais maman, c'est pas possible la lune! Oh mais ferme ta gorge toi, personne t'a sonné ici là! Agressif comme ça là! Bandit, racaille, brigand! Homosexuel. Wesh maman. Tu réponds pas quand ta mère te parle. Oh. Non mais y'a pas à écouter la voix dans sa tête comme ça, wesh. Même lui il est
est choqué de ce qu'il vient de dire là. Est-ce que tu penses que j'ai besoin de toi pour engueuler Suleiman? J'ai pas fait exprès, excuse-moi, pardon. Avec ton dégradé trop blanc là. Pardon, pardon, j'ai écouté la voix dans ma tête. Hein. Bon, allez, on y va. Oui. Je rate l'enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, il y en a plus que dans mes spaghettis. Bon, je vais au travail. À ce soir, hein. À ce soir, maman, bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma fille, hein. Ça va, pétasse? Tu veux quoi, toi? T'es au courant que t'es la plus vilaine sur cette terre? Moi, je t'ai, moi. Mais tu t'ennuies ou quoi? Avec ta grosse casquette, là, on dirait qu'il y a François Hollande qui vit dedans. Eh, hey, maman, elle est pas là, y a personne pour te défendre. Alors fais pas la maline avec moi si tu veux pas que je te défonce, d'accord? Parce que je te jure, si je te défonce, ça va rien faire du tout. Mais tu crois que j'ai besoin de maman pour me défendre? Moi, j'ai peur de personne ici, hein. Ah, tu fais la ouf, là? Mais tu vas faire quoi? Ça va, les enfants? Ça pourrait aller mieux. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a ici, là, hein? Rien, rien du tout, papa. Ok. C'est bien. Tiens, je te donne des sous. Et tu dis pas à maman ou à papa que je t'ai tapé, d'accord? Tu fermes ta gorge. Tiens, prends tout. Papa, Suleiman, il m'a tapé, il m'a payé pour que je me taise. Quoi? Tout ça? Eh, va me chercher le AK-47 et puis une grenade, dépêche-toi. Et puis donne-moi un peu d'argent. Ok. Bon, va chercher. Oui, oui, d'accord, papa. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Au revoir, Aminata, merci. Au revoir, ma copine, on se dit à la prochaine fois. Hein. Tu reviens quand tu veux. Allez. Attends, mais Awa, ton sac, il est joli, né? Ah oui, t'as vu, il est joli, hein. Il est trop beau. Eh, c'est du vrai cuir, hein. C'est pas vrai. Ah, bien sûr, attends, moi, je n'achète pas des pacotilles ou des trucs comme ah, ça. Ah, mais hein. Je sais, je te connais, hein. Je l'ai acheté à Primark. Primark? Mais combien? Oui, bon, ça va, le prix, c'était entre les 5 euros. Oh, 8 euros par là. Hein. Mashallah. Ouais. J'irai moi aussi à Primark de la semaine. Hein. Bon, merci beaucoup vraiment pour tout. Hein, pour de rien, ma copine. Les boissons, l'eau. De rien. Ton nom, là, il est beau, hein. Tu as vu, hein. Bon, à la prochaine. Merci hein. Beaucoup. Allez, à la prochaine. Hein. Ouais. Ma copine, tu sais que mon voisin, il me drague. Il me drague. C'est pas vrai. Mais il est marié. Aminata, ça va pas? Non, rien, j'ai faim. Mais il restait manger. Non, j'ai pas faim en fait. Ouais, on va manger ici. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis fatiguée. Mais justement, vous mangez et puis vous dormez ici. Vraiment, après. Non. C'est comme vous voulez. Hein. Allez, au revoir. Ah oui, j'ai oublié ma copine. Suleiman, ton fils là, il va jouer un spectacle, non? Mais oui, hein, c'est une star, hein. Il va devenir riche, hein. Il joue le 29 avril à l'Européen. Ah, c'est juste une date. C'est juste une date. Bon, mais on y va là, c'est bon, j'en ai marre. Bon, mais allez-y, rentrez, on se verra bientôt. Ouais. Non, mais et puis il fait nuit dehors, vous n'allez pas rentrer, c'est dangereux. Ah, restez ici. Envie, vous dormez ici, vous dormez ici, Aminata. Mais maman! C'est Tata qui décide, on dort ici. Allez, je prends la grande chambre. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est petit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis. Aye.